Au fond, il y a eu un épisode en France tout à fait tragique, hein, et qui fait écho à ce qui s'est passé sous le nazisme en Allemagne, dans les camps d'extermination des nazis, qui a été ce qu'on a appelé hein, l'extermination douce des fous dans les hôpitaux psychiatriques français pendant la Seconde Guerre mondiale et tout particulièrement pendant le régime de Vichy. Où alors les chiffres sont très discutés, il y a beaucoup de polémiques, hein, mais on pense qu'il y a au moins 45 000 malades mentaux et très probablement plutôt du côté de 70 000 malades qui ont été proprement affamés hein, par disons des mesures administratives hein, de l'administration de Vichy qui allouait aux fous, si je puis dire. Hein, une portion calorique quotidienne nettement inférieure aux besoins minimums d'un sujet adulte, ne travaillant pas. Et donc il y a eu véritablement un affamement de cette population. Voilà. Cet événement a été bien sûr vécu dans ces milieux, hein, comme un, disons, une révélation hein, de ce qui allait bien au-delà du fascisme, qui était une crise civilisationnelle extrêmement, disons, difficile à supporter, intolérable des sociétés occidentales modernes. Voilà. Alors ça, c'est, disons, je, voilà. Et ça, au fond, ça a été évidemment pour moi la découverte de cet événement, très bien refoulé en France, a été un choc. Ça a donné en France à une révolution hein, dans le soin psychique, qui a été menée notamment par François Tosquelles et Lucien Bonnaffé, hein, les pères de la psychothérapie institutionnelle et de la psychiatrie de secteur. Et Deligny était dans cette mouvance. Lui-même était à l'époque nommé depuis 1940 à l'hôpital psychiatrique d'Armentières, où il s'occupait de 700 enfants internés dans cet hôpital psychiatrique à l'Institut médico-pédagogique, et où il était instituteur avec des classes de gamins qui d'ailleurs pouvaient être aussi bien des vagabonds hein, que des arriérés mentaux, et qui, enfin, de ce qu'on appelait des arriérés mentaux. Hein, et il a vécu en direct, à cette époque-là, effectivement, la mort de centaines et de centaines hein, de gens à l'hôpital d'Armentières. Voilà, donc ça, c'est un peu l'aspect historique, mais je crois qu'il est fondamental aussi pour expliquer ma démarche. Il s'agit aussi de faire ressurgir ce passé-là. Et puis il y a l'aspect intellectuel que ou théorique, ou en tout cas que vous soulevez, qui est que effectivement, on va dire à partir du début des années 30, vous avez plusieurs courants dans les milieux de l'éducation spécialisée, hein, qui est naissante à l'époque, hein, et aussi dans les milieux du soin psychique hein, pour les enfants, qui se sont dégagés. Il y a d'une part effectivement Freinet, c'est l'instinct Freinet, hein, et l'éducation nouvelle, comme on disait à l'époque. Il y a l'influence de Makarenko, hein, Anton Makarenko, ce fameux pédagogue soviétique, hein, qui avait en 1920 accueilli des centaines et des centaines d'enfants russes perdus dans sa colonie Gorki. Et puis, il y a autre chose qui est très important, qui étaient les CMEA, hein, centres d'éducation, d'entraînement aux méthodes actives, hein, qui ont accueilli à partir de 1936, sous le patronage d'Henri Wallon, les enfants, au fond, des familles d'ouvriers qui découvraient les vacances et auxquels ces centres proposaient eh bien, des vacances, mais en même temps des manières de repenser leur statut de futurs travailleurs manuels, en leur donnant des outils à la fois intellectuels et plastiques, notamment, ou musicaux, artistiques, pour penser autrement leur fonction dans le monde. Très rapide historique, hein. Deligny, pendant 30 ans, en gros, de 1937 à 1967, hein, est considéré comme un instituteur, puis éducateur spécialisé, puisque les catégories se sont déplacées, et a travaillé successivement dans des écoles, puis donc à l'hôpital psychiatrique d'Armentières, puis a été directeur de ce qu'on appelait à l'époque un centre d'observation et de triage, où on recueillait au fond ces enfants errants hein, dans la France d'après-guerre, et qui étaient aussi bien
on va dire, des vagabonds, des enfants abandonnés, hein, que des enfants qui effectivement souffraient de problèmes psychiques. Et puis en 1947, il fonde pour son propre compte, si je puis dire, et en solidarité, ou on va dire avec le soutien d'Henri Wallon notamment, ce qu'il a appelé la Grande Cordée, qui était un lieu d'accueil d'enfants, soit délinquants, soit psychotiques, mais un lieu d'accueil qui avait cette caractéristique de n'avoir aucun, disons, lieu physique où, disons, placer ses enfants. Hein. Et donc le principe de ce lieu d'accueil était vraiment un principe d'accueil offshore, hein, où les enfants étaient placés en fonction de leur projet dans des familles qui acceptaient de les recevoir. Ce qui signifie qu'au fond, à partir de là, bon, Deligny va développer cette aventure très complexe d'un point de vue institutionnel, et avec d'ailleurs énormément de déboires. Et puis en 67, Deligny, qui a vu cette grande cordée au fond dépérir puis disparaître, est appelé par des parents qui lui confient un jeune enfant autiste de 9 ans, un enfant qui n'a jamais parlé et dont les parents savent que s'il ne trouve pas d'autre solution, il finira tout simplement en hôpital psychiatrique, enchaîné, voilà, toute sa vie. Et ses parents désespérés confient l'enfant à Deligny. Voilà. Et Deligny part sur les pas, dit-il, de cet enfant, dans les Cévennes, où Félix Guattari lui a prêté une maison. Et progressivement, il s'installe là-bas et crée, hein, on va dire, un lieu d'accueil pour des enfants autistes, où il recevra une quarantaine d'enfants pour des séjours, on va dire, temporaires. Alors, c'est là où, effectivement, le lien de c'est dans ce second moment où l'action de Deligny est plus ouvertement clinique, on va dire, hein, que, disons, ses rapports avec les psychanalystes, sinon la psychanalyse, hein, deviennent plus réels. Deligny connaissait bien sûr Freud, mais sans être particulièrement intéressé par le texte freudien. Il avait eu ouï dire, il avait aussi lu un peu Lacan, les premiers séminaires de Lacan. Il était fréquenté, si je puis dire, hein, par un certain nombre de psychanalystes qui venaient le voir. Hein. Il s'était lié d'amitié avec Dolto ou avec Manoni, mais il y avait aussi des gens comme Jacques Nassif qui sont venus là-bas. Et ces psychanalystes, extrêmement intéressés par la manière qu'avait Deligny, au fond, de vraiment d'inventer une clinique à part entière pour ses enfants, et dont il savait que c'était une clinique qui avait aussi certainement un impact, hein, sur, on va dire, des cliniques plus ordinaires, hein, qui n'auraient pas été strictement consacrées aux enfants autistes, lui envoyait des enfants. Et donc, Deligny a reçu un certain temps des enfants qui lui étaient envoyés par des psychanalystes, lui-même restant toujours dans un rapport extrêmement réservé, hein, et critique à l'égard de la psychanalyse, qu'il considérait comme très, on va dire, très normative, hein, et dont il récusait un petit peu, on va dire, justement, l'idée même du développement, hein, et d'une normalité du développement, les stades, etc. Donc Deligny a pris position contre ces concepts analytiques assez durement. Et précisément, vous avez employé le terme de sujet. Précisément, la thèse de Deligny, c'est qu'au fond, il n'y a de sujet que de parole. Et que ces enfants qui n'ont jamais parlé et qui ne parleront probablement pas, hein, ne sont pas à considérer comme des sujets, mais qu'ils sont l'incarnation d'un mode de relation humaine qui précisément ne passe pas par la parole et qui n'est pas d'ordre subjectif et qui n'engage pas de relation interindividuelle. Et donc, à partir du moment où Deligny, au fond, récuse l'idée que ces enfants seraient des sujets appelés à parler, mais qu'il pose un peu comme axiome que précisément les respecter, c'est les considérer comme des individus sans parole, et dont peut-être tout le malheur a été d'être noyé dans la parole des autres, dans le symbolique, comme dit Deligny, eh bien, les analystes vont prendre de la distance par rapport à Deligny. Parce qu'ils vont considérer qu'au fond, il est trop proche de l'éthologie pour véritablement entrer dans une perspective psychanalytique. Donc, il y a dans un deuxième temps, on va dire, une scission entre Deligny et la psychanalyse. Ce qui ne veut pas dire, et c'est un peu ma propre tentative, à moi, que les manières de faire et les manières de vivre que Deligny a inventées, toute sa réflexion sur la trace, toute sa réflexion sur le milieu,
sont, à mon avis, d'une portée énorme pour comprendre les phénomènes de transfert et en fait, sont certainement des outils très très précieux pour repenser notamment aujourd'hui la psychanalyse, à un moment où la psychanalyse, au fond, s'ouvre ou du moins devrait s'ouvrir hein, sur de toute autre population et de toute autre manière de penser le cadre analytique. Voilà. En ce sens, il y a une très très grande actualité du travail de Deligny, puisqu'on est là véritablement dans une démarche hein, qui devrait nous permettre de repenser les pratiques cliniques comme des pratiques sociales. Ce qui, au fond, hein, n'est pas très éloigné hein, de ce qui est, au fond, la grande tendance à l'inclusion hein, contemporaine. Et je pense que, au fond, Deligny apporte, j'allais dire, une manière de repenser autrement hein, cette question hein, de ce qu'on a appelé dans les années 50 la social-thérapie, hein, et qui est aussi un outil d'émancipation. Et je crois que là, il y a effectivement un enjeu massif à relire Deligny, parce que, également, il s'inscrit par là, dans ce mouvement de la psychothérapie institutionnelle, de la psychiatrie de secteur, qui ont été gravement, hein, disons, endommagés, disons, dans leur portée hein, et dans leur possibilité par les outils gestionnaires qui sont maintenant mis au service de la santé, mais qui, néanmoins, aujourd'hui, chez les jeunes psychiatres, les jeunes psychologues, hein, suscitent un intérêt formidable. Et donc, je pense que là, on a progressivement l'émergence hein, d'une pensée critique de la psychiatrie et de la psychologie. Qui a un bel avenir devant soi. On aurait tort de penser que Deligny est une sorte de fou génial qui aimait les enfants. Voilà. La réflexion de Deligny, les outils qu'il construit pour, au fond, tirer d'affaire, comme il dit, les enfants fous, sont des outils qui sont intellectuellement extrêmement précis. Et ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est que j'essaie de dégager, on va dire, un peu pas à pas, l'anthropologie secrète hein, qui sous-tend conceptuellement le travail de Deligny. Parce qu'il ne faut pas oublier que Deligny était au départ un étudiant en philosophie et en psychologie, que c'était quelqu'un qui avait lu de manière extrêmement précise notamment les textes d'Henri Wallon, mais il a également lu de manière très très précise Marcel Mauss, il a également lu Leroy Gourhan, il a également lu Georges Canguilhem. Et que donc, il y a derrière le travail de Deligny, en tout cas c'est ce que j'essaie moi de construire, hein, c'est un petit peu ma contribution finalement également dans ce livre, d'essayer de construire l'anthropologie du corps hein, qui est sous-jacente à la tentative de Deligny.